Salut tout le monde, c'est Eldezo, et on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter le manga Guilty Crown, qui a été fait en 2011 et qui est en 25 épisodes. Donc pour ce qui est de l'histoire, je vais avoir beaucoup de mal à vous l'expliquer car elle est franchement compliquée. Tout simplement, au Japon c'est la merde. Il y a un régime militaire qui gouverne, on va dire, à peu près le Japon, parce qu'il y a eu un virus, il y a plein de catastrophes et compagnie, et du coup il y a une organisation qui s'est créée, ils appellent ça un groupe de terroristes dans lequel le personnage principal va les rejoindre. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas les terroristes les méchants, mais plutôt le régime militaire. Donc vous allez comprendre l'histoire en la regardant, parce que franchement, je vais pas réussir à vous la raconter, hein. Je vous mets la synopsis de toute façon dans la description de la vidéo, pour que vous puissiez savoir de quoi ça parle exactement. Donc c'est un manga typé action, avec un petit peu d'amour, enfin des rencontres et compagnie qui sont pas mal. L'histoire est franchement prenante, il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup de tout. Et surtout, niveau qualité, ça envoie du lourd. Donc moi, je vous propose de le regarder en HD, vous allez comprendre en regardant le premier épisode, car franchement, il y a beaucoup d'effets spéciaux, il est franchement très bien réalisé. Et c'est pour ça que si vous avez la possibilité de pouvoir télécharger les épisodes en HD, ce serait plutôt pas mal, parce qu'il y a de quoi se régaler les yeux. Et donc voilà, moi je vais vous laisser sur ça, j'espère juste que ce manga vous plaira autant que moi, parce que franchement, il est énorme. À tous ceux qui aiment One Piece, Bleach et compagnie, je pense que ça pourrait vous plaire. C'est un manga qui est à peu près dans le même genre, même s'il diffère quand même pas mal, mais il y a de quoi faire. Donc voilà, moi je vais vous laisser sur ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo si vous l'avez aimée, et ciao tout le monde!